Et c'est tout le monde, c'est ma meilleure, j'espère que vous êtes tous bien, moi pour ma part c'est super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Sword Art Online Lost Song. Donc dans le dernier épisode on avait fait les donjons de Wolgind qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant. Du coup on va voir si on a des trucs à mettre dans la réserve. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais bah de toute façon j'en ai plus. Ok. Des trucs à mettre dans l'inventaire. Alors je vais racheter des potions de mana parce que j'en ai absolument plus. Donc consommable. Hop. Je rachète de tout là. Surtout qu'il y a des trucs qui ont été débloqués. Et pierre soignante. En plus j'ai du fric à dépenser donc. Briser malédiction. Guérir des sauts et de la confusion. Ok, augmente l'attaque. Et cristal de fuite, on va s'en prendre deux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va repartir pour Wolgund et Floshlide. Donc, ces trois îles. Un message. Et comment tu peux devenir comme toi et faire craquer toutes les filles que je rencontre sans faire le moindre effort? J'ai essayé d'être aussi distant et blasé que toi l'autre fois, mais ça a eu l'effet contraire. Tout le monde s'est mis à m'éviter. Je t'en supplie, grand maître, sensei, tu dois m'apprendre ton secret. C'est clean, hein, parce que on traîne avec toutes les filles du jeu. Sachant que lui, on n'a jamais vu sortir avec une fille. Il y a généralement des simples mouvements dans les déserts de ce genre, et quand on se fait aspirer, on se retrouve dans les ruines d'une civilisation ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les sables mouvants ne serviraient pas à grand chose dans les lots vu que tout le monde peut voler. C'est bien vrai. Donc, il y a des nouveaux donjons. Et d'ailleurs, aussi dans le dernier épisode, j'avais débloqué la compétence Eclipse. Non, pas Eclipse. Explosion stellaire. Je vais vous la montrer après. D'abord, on va se mettre les deux sorts. Que je fasse pas de fausse manip cette fois-ci. Pas comme dans le dernier épisode. Ouh, là l'utilisation était pas dégueu. Elle était plutôt bien rentable d'ailleurs. Bonjour toi. Et toi aussi. Non. Le con. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai utilisé une potion de mana pour rien, mais bon, pas grave, Pierre. Hop. Je suis plus vraiment à ça près. Ouh. Ah. Ça m'énerve quand ça fait ça. Minerai météorique. Oui, c'est comme ça que ça se prononce. J'avais un doute. Alors, voilà. Donc. Compétences magiques, combat et passives. De tout. Et compétences.
Compétence magique. Compétence magique, on a dit repérage. Ouais, c'est ça, j'en ai pas besoin. 350, 500, 400. Et pour débloquer repérage, il fallait 300. Sachant qu'il me faut 350, je vais pas tarder. Ensuite. Compétence de combat, donc j'en ai eu deux. Renfort de défense. Ah, renfort d'attaque plus. Ouais, tueur de boss. Ok, bouc émissaire. Ouais, renfort de critique. Ok, et j'ai une compétence passive, mais ça, elle s'active automatiquement. Bloqué par un mécanisme. On va se remettre les deux sorts. Je les ai déjà fait donc. Ah, un arc. La porte est verrouillée et donc il n'y a rien qui est ouvert là-dedans. Et on va partir tout droit. Ça c'est fait. Oh ça va, c'est que ça. Hop. Le mécanisme est désactivé. Donc du coup on va pas retourner à l'autre bout du donjon. Pour ensuite aller pour pouvoir ouvrir cette porte je pense et finir la partie du donjon. Et bien je me suis trompé. Ouais, je me synergie. D'ailleurs là il y avait écrit quoi? Ah bah il doit y avoir la clé dans la salle d'ailleurs. J'ai la flemme de combattre. Donc, ouais. Non, je pensais que c'était des fakes. Oh là là. Vas-y, viens par là, toi. Ça, ça dégage. Toi, tu vas mourir assez rapidement. Oh, on l'a défoncé. Il va falloir que je régène ma mana en attendant. Non, oh, nice.
pour 50 000, ouais. J'avais un doute si c'était 5 000 ou 50 000, mais 5 000 ça aurait fait un peu bas. Allez, let's go pour le boss. Combattre. Débarrassons-nous de lui tout de suite. Ok, je suis prête. Alors. Toi. Je sens que tu vas me saouler. Allez, meurs un peu. Bon, aussi, il affronte tout seul à un boss. Hein. Donc, un peu normal qu'il se fasse défoncer. Alors, on va prendre le sort des balles de glace. Une magie à place de boule de feu. On va mettre un petit poil de glace. Dans 2 secondes, je regarde juste mon chrono. Ok, 11 minutes. Ça passe. Pour l'instant, on va y... Ah mais ça, ça me saoule. Quand les boss, genre quand je leur dis de en fait lui me fait l'attaque du bas, souvent je lui dis de faire l'attaque du la dernière attaque là, expérience télé. Pourquoi tu as la balle de glace? Qu'il en a un peu marre le boss. Ah. Et tu. Une petite rose avec Brasil. Ou non, je vais pas utiliser une goutte d'Yggdrasil. Même si je pense pas que j'en ai. Bien mal là. Ah, mais il me saoule, je pars à chaque fois. On va l'utiliser. On lui a défoncé qu'une barre de vie. Ouais. Mince. J'aurais dû mettre des attaques d'eau. Oh. Allez. On va mettre Tora aquatique. Ouais, ça lui fait quand même plus mal. Ouais.
j'attends d'avoir ma mana. Au pire, non, je vais pas attendre. Oh non. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai lancé 10 000 compétences en même temps parce que j'ai paniqué. J'ai pas réussi ni à faire un switch ni à placer deux compétences. Et lui il me saoule pour suivre. Ok, c'est bon. Non. Ok. Nice. Allez, on a fait la moitié de sa vie. D'ailleurs, les gens, je pense que là, je vais faire plus de donjons. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour rec. Oh, je m'étais protégé. J'ai pas beaucoup de temps pour rec, donc je vais faire plus de donjons là. Non, parce que voilà. J'ai pas beaucoup de temps, donc... En fait, pour tout vous dire... Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pour ça, mais en fait en Irlande, bah, je vais partir en Irlande le mercredi combien, alors je sais plus, le mercredi 10, je vais partir en Irlande le mercredi 10 avec les cours pendant une semaine, et du coup en fait j'ai déjà filmé 4 vidéos là, 4 de Overwatch. Et en fait, faut que je finisse tout à l'avance. Du coup, c'est très très long. Donc là, faut encore que je fasse le montage de cette vidéo après. Et ensuite, va falloir que je fasse les uploads. Et puis là, je serai bon. Allez. Viens par ici. On va augmenter le sort de protection. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Un aigle. Il est mort. Et on a gagné quelque chose. Voyons un peu. C'est une boule, Kaito. Elle porte une gravure d'oiseau. Une troisième boule. Je pense qu'il est maintenant clair qu'on en trouvera également dans les autres donjons. Ça me paraît évident. Et si on les rassemble toutes, il se passera quelque chose. Je veux savoir quoi. Donc là, on est à la moitié. Bah on a fait la moitié des donjons. Donc là je sais qu'il y a que 18 minutes. Bah ça fait que 18 minutes de vidéo. Mais bon, je compte faire 2-3 trucs. Donc ça fera à peu près 20 minutes de vidéo. Ça va. Je sais que j'ai fait plus court comme vidéo avant. Et puis dernier épisode faisait 35 minutes je crois. Donc donc je pense que c'est pas mal faire une vidéo un peu plus courte. Donc va falloir passer à la forge. Et je vais voir si on a des quêtes secondaires aussi. Identifier arme. Allure. D'abord. Équiper. On n'a pas reçu une de meilleures épées. Bon, je sais qu'on a celle-là, mais... des ténébreuses. Oui. Mmh.
Ténébreuse, ténébreuse, on va mettre celle-là. Et niveau des autres. Alors. Ok. Et celle-là. Ouais, bah c'est celle-là la meilleure. Anneau de Larry. Parce que moi j'ai quoi? Anneau de Larry, il fait quoi? Augmente considérablement les PV maximum mais réduit les PM. Ouais. Ouais. Ça, ça fait quoi? Limite, je préfère prendre ça. Quitte à perdre beaucoup de vie. Attends. Je préfère prendre l'anneau brillant. Augmente considérablement l'attaque. On prend. Ok. Bon. On va voir s'il y a des quêtes secondaires. Kill les tokens. Voyons voir. Non, je vois pas de quête là. Non, il n'y a pas d'autre quête. Je pense qu'il va falloir finir les autres donjons pour terminer la quête. Bah, pour accéder à d'autres quêtes. Finir tous les donjons qu'on n'avait pas accès avant. Hop, Rain. Bon, bah les gens, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Mettre des commentaires, disliker si ça vous a pas plu. Et dans ce cas, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Et puis, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Stay gamers. Allez, bye.